Salut amis boulistes. Combien de fois votre adversaire vous a dit « le point est à moi » mais vous, vous n'êtes absolument pas d'accord avec lui? Le seul moyen de trancher, c'est mesurer. Et pour ça, ayez à votre disposition un mètre qui sera le seul juge et arbitre. Pour effectuer la mesure entre cette boule blanche et cette boule noire, pour savoir s'il y a un deuxième point chez les blancs, on va mesurer donc ces deux boules. Vous voyez bien qu'il y a une boule blanche au milieu, donc pour ça, je vais l'enlever. Comment l'enlever? Faites un marquage avec deux traits à l'aplomb de la boule et vous faites deux tours pour qu'il y ait une petite marque ici. Ensuite, je vais choisir une des deux boules, bien tenir le mètre au bout, le descendre progressivement et regarder à l'entrée du bouchon. Ici, on obtient 28 cm et 6 mm. De l'autre côté, la blanche est à une distance de 28 cm et 9 mm. Conclusion, la boule en deuxième position est noire, ce qui signifie que les blancs n'ont qu'un seul point. Voilà, c'est tranché. Dans la pétanque, c'est comme dans la vie, pas de demi-mesure. À bientôt les boulistes. Allez, on s'en refait une ?